Parce qu'effectivement, j'aimerais d'abord faire plaisir à mes fans, si c'est ces derniers jours. C'est-à-dire ? Je pense que j'animerai un TPMP toute la journée sur C8. Ça, alors, vous voulez dire que ce sera votre mort et la mort de C8 maintenant ? C'est ça. C'est autre chose. Vous voyez quoi, c'était le dernier jour de votre vie. Vous, Castaldi, peut-être une opération des yeux inutile. Non, j'ai franchement. Pour voir la mort arriver. Non, je pense que je ferai l'amour. Ouais, l'amour, mais avec qui ? Il faut une érection. Avec toutes vos ex-femmes ? Non, pas avec toutes. C'est rigolé. Avec votre femme ? Avec Aurore ? Ouais. Ah oui, je veux qu'il fasse avec qui ? Bah oui, je sais pas. Non, mais attendez, c'est le dernier jour, on s'en fout, elle le saura jamais. Non, non, ah oui, d'accord. Mais ça veut dire que le reste du temps, il le fait pas. Mais non, mais sans rigoler, c'est le dernier jour. C'est fini. Ouais, tu meurs. Ouais, tu t'en fous. Un fantasme. Fantasme. Vas-y, dis Nico Mouk, dis-nous avec qui. On s'en fout. Après, au pire des cas, tu meurs. C'est pas grave. C'est vrai. C'est pas si je suis mort. Après tout, je m'en fous. Dis-nous alors. Je sais pas. Allez, vas-y. Dis-nous. Non, Kelly peut-être. Kelly. Bah tu sais quoi, t'es mort. T'es mort. Une chance à l'action de mourir. Il mourra quoi qu'il arrive. Non, il faut qu'elle soit d'accord. Non mais attendez, on part d'un principe de la science-fiction. Si on commence à dire faut qu'elle soit d'accord, tout ça, on est dans la fiction, bien sûr qu'elle est d'accord. Tout le monde est d'accord. Ah oui, c'est possible. C'est son dernier jour. Elle a cru en manque, Daniel, que vous alliez dire elle. Ah non, non. Non, il faut pas qu'on remire à coup. L'amour avec Kelly aussi direct. Ouais, c'est vrai. Oh, t'as vu hier. Ça va? Non, mais oh, dis-moi. Elle est fatiguée, cette gauche. Mais oh, je suis emmené. Kelly, c'est pas journée pour machine. Non, mais sans déconner. Je non, mais machine, les gars. Gilles, qu'est-ce que vous feriez? Alors. L'amour avec Kelly. Non, mais sans rigoler. Non, mais c'est vrai. Non, mais pour goûter à tous les plaisirs. Fatiguée. Pour goûter à tous les plaisirs, quelqu'un d'autre autour de la table. Ah, quoi, Daniel? Guillaume. Oh là là, ça y est. Mathieu, tu lui poses les trois questions pour savoir où il en est. Il reste un hétéro sur ses vies. Je suis très emmerdé, Gilles. Il a raison, il veut pas mourir idiot. Je suis en train de tenir tout ça à bout de bras. Bah, Gilles, allons-y. Vas-y, Gilles. Non, mais attends, deux minutes, Gilles. Je pense que là, t'as fait un bel aveu. Gilles, c'est normal, c'est très bien. Alors, quand t'as la guitare qui te démange. Gilles, est-ce que tu regardes parfois aussi des films avec des jolis garçons? Est-ce que tu aimes bien les films de gladiateurs? Est-ce que tu arrives de dire ce garçon est très beau? Ouais. Non, mais j'ai pas pensé à vous, mais j'ai parfois pensé à Guillaume. Et en quels termes? Tu peux développer un petit peu, les gens t'écoutent? Érotico-cérébral, parce que moi je suis cérébral. Ah ouais. Tu as une cisidure? Non, mais une scène dans sa voiture, pourquoi pas? Le dernier jour, une scène dans la voiture de Guillaume, pourquoi pas? Moi aussi, je suis sûr. Non, mais c'est pas ça. Ici, c'est la foire au guet. Pourquoi moi, j'ai pas le droit non plus de les deux. C'est la vague. Lui, il est gay, Benjamin, il vient, Raymond se pose des questions. C'est vrai que là, ce côté, c'est le côté des questions. Je veux dire, chacun se pose des questions. Vous vous posez des questions si vous êtes gay, vous vous posez des questions s'il faut y aller ou pas dans le camion ou pas. Lui, ça ne se pose plus la question. Il cherche la bonne personne. Il cherche chaussures à son pied. Elle se pose des questions. Elle se dit oui, mais quand? Et Daniel Moreau, elle dit de toute façon, tant que ça rentre. Franchement, tant que ça rentre. Cyril, vous êtes le dernier Gaulois, finalement. Résistez un petit peu à la vague. Mon slip est un village irréductible. C'est vrai, non, c'est fou, hein, franchement. Du coup, Gilles, si tu dois choisir, parce que du coup, on en est tous, pourquoi Guillaume? Donc ça veut dire que le dernier jour de votre vie, quoi qu'il arrive, vous les ken, vous, en fait. Non, mais ça, vous ne le dites pas, genre, je vais faire une œuvre ou un truc. Non, vous avez raison, faites-vous plaisir. Alors, dernier truc. Alors, qu'est-ce que vous feriez? À Guillaume, parce que Guillaume, il a quelque chose de magnétique, il a un charme, intellectuel, cérébral, il a des très belles tenues que j'apprécie, j'aime beaucoup Et Guillaume. Et vous feriez quoi avec lui, dans la voiture? Vous voulez vraiment que je vous dise? Dans la voiture, pas de pommeau de vitesse. Je suis dans l'amour de l'automobile. Une scène torride à l'arrière de la voiture, pourquoi pas? Ah oui, d'accord. Oui, avec un chauffeur qui nous emmènerait au bout du monde. Alors, si je peux ne pas être ce chauffeur, ça m'arrangerait. J'ai vu assez d'horreur. Merci. Guillaume, comment tu réagis à cet aveu? Gilles, oui. C'est un grand nom.
désolé. Je n'ai rien à dire. Non, mais Gilles, bravo. Guillaume, parce que Gilles ne te plaît pas? Ou c'est juste... Moi, en fait, si c'était mon dernier jour, je réaliserais un autre de mes fantasmes. Je suis très inquiet. Non. C'est une meuf que j'ai DM sur Insta qui ne me répond pas. Mais non, c'est vrai. C'est Daniel Moreau. Ah, oh, DM. Daniel Moreau, ouais. Je lui ai envoyé un message. DM, d'ailleurs. Mais c'est vrai que DM, c'est Daniel Moreau en fait. Ah ouais. Et en fait, je suis un peu chamboulé parce que j'ai fait un. Elle vous a écrit un mot sur Insta. Elle vous a écrit un mot sur Insta. Instagram. Ah oui. Mais je regarde pas tellement. Je regarde pas tellement en fait Instagram. Vous avez lâché un lu, je crois. Elle m'a laissé en vue. En vue, elle vous a même pas lâché. Ah ouais, t'as vu? Ouais. Je regarde. Elle a vu le message, elle n'a pas répondu. En fait. J'ai mais oui, mais c'est quoi un DM? Là, tu vois. Message privé. Message privé, quoi. Ah. Là. Moi, gardez-vous. Là oui. Voilà. Ah oui, j'en ai plein. J'avais jamais vu ça. Des comptes certifiés. Bon, ben voilà, elle a un compte certifié. Des comptes certifiés. Non, bah, tu liras ça chez toi. Tu liras ça chez toi. Ouais, ouais, tu dois avoir pas mal de propositions. Ah oui. Certifié. Alors, et donc? Donc, j'ai fait un rêve un peu torride avec elle cette nuit. Donc, le dernier jour de ta vie, tu sais que tu vas mourir, tu te... Daniel Moreau. Quoi, c'est-à-dire Daniel Moreau? C'est l'inaccessible, en fait. Hier, elle m'a mis un vent, ça m'a un peu excité. Ah oui, c'est vrai qu'elle t'a excité. Elle. Ah oui, elle m'a mis un vent. Et donc, j'ai fait un rêve un peu torride avec elle cette nuit. Elle me proposait un plan sans blabla dans les loges. Ça m'a émoustillé. Ah ouais. Quoi, si c'est le dernier jour, je dirais oui. Non, mais c'est son dernier jour, pas votre dernier jour à vous. Mais non, mais si c'est son dernier jour, on est obligé. Quoi? Ah ouais, donc c'est bon? Ouais. Ça passe. Mais c'était pas vraiment ça le dernier jour seulement. Il sera en liquidation totale. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font de Gilles surtout? C'est un 3, ça me dérange pas. Je délire, possible. Les 3, là, c'est le début d'un film d'horreur. J'ai des images. Ah là, je vais vous dire, là, ça y est, on y est. Hein. Là, c'est vendredi 13, là. C'est samedi 14. Là. Si Raymond me dit qu'il est bi, là, je décède. Ah, non, Raymond. Attention. Mais Raymond n'est pas fermé, hein. Ah non, ouh là. Il est ouvert. Il est très ouvert, même. Vous savez, la porte, elle est plus qu'entrouverte maintenant. C'est un salon ici. Ah, bah, alors maintenant, il est ouvert. C'est un barbecue, il n'y a plus qu'à manger sa merguez. Merci. Il n'y a pas, Raymond. Vous feriez quoi? Totalement différent. Moi, je veux une voiture de police pour traverser Paris à toute vitesse, pour griller tous les feux rouges. Je veux solder mon livret A et faire des dons à tout le monde. Ensuite, démonte Géraldine. Et je bouscule de leur main. Oh ah, c'est fini. J'enferme tout le monde dans une pièce, personne ne sort. Alors, je n'espère qu'une chose, c'est qu'il meurt demain. Ah, vraiment? Ah oui, non, mais hey, Delormeau aussi, il est passé. Ah, je soulève tout le monde. Tu fais rien avec lui? Non, il a le respect. Non, même si je vais mourir, il a le respect. Je connais mon respect parce que pour la place que j'ai, on va pas mourir. Finalement, c'est extraordinaire de dire la vérité à tout le monde. Le la vérité, c'est que tu m'as pris pour le tunnel du Mont Blanc, c'est pas possible. Enfin, écoute, on... Ça va. Oh, c'est Raymond, c'est un ami. Bah oui, enfin, écoute, dernier jour, attends. Bah ouais, c'est son dernier jour. Il arrive en dernier quand même. Mettrait du déo. Mais non, mais il termine pas là-bas. Il terminera peut-être avec son. Il mourra peut-être avec son zizi dans de l'or mort. Faut que je garde mes forces quand même au début. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, Kelly? Ah bah d'abord j'assouvis tous les besoins de tout le monde. Elle est ouverte. Bah déjà ça vous fait une journée. Oui. Non, en vrai, ouais, rien d'exceptionnel. Vous allez quand même chez Zara. J'insulte énormément de gens, fous à poil, je mange, je fais l'amour avec mon mec, je vais voir ma famille, puis après, je pense que c'est bon. C'est une journée normale, quoi, en fait. Classique. Qu'est-ce que vous feriez vous, j'ai envie de savoir après, parce que j'ai l'impression que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Vous feriez quoi, Valérie? Moi, je prends un avion et je vais sur une île déserte avec mon amoureux. Et voilà. Vous allez mourir. N'importe quoi. Ouais, bah, justement. C'est quoi cette race rare? Je veux être jusqu'au dernier jour, elle est chiante. Non, mais c'est vrai, jusqu'au dernier jour, elle est pas rare. Moi, je veux être sur une île déserte. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre d'être sur une île déserte? J'avais 12 heures à y aller en plus. Déjà, t'as 12 heures d'avion. Tu vas mourir, t'as 12 heures d'avion. Ah, bah oui. Ménage-toi, Béna, fais une tournante. Il a raison. Lâche-toi, Béna. Une cagoule, quelque chose, je sais pas. Dis-moi, c'est quoi? Respire, merde. Non, mais franchement, il a raison. Lâche-toi.
Elle est toujours sur France 3 dans le contrôle. Mais non, mais c'est vrai. C'est dingue, arrête, tu veux sur une île déserte et je suis avec mon mec. Le dernier jour, elle allait faire un PCR le dernier jour. Non, mais ça va pas. Le dernier jour, elle va aller dans l'avion faire des PCR. Mettez-vous toute nue, merde. C'est le dernier jour demain. C'est vrai. C'est pas le dernier jour. Non, mais sérieux, Béna, dis-nous un truc. Quoi, dis-nous un truc. Je sais pas. Fais l'amour en public, Valérie. Je passe, par exemple. Mais je sais pas, moi, tu te lâches. Voilà, je sais pas. Dis un truc. Fous-toi à poil. Ok, je me fous à poil. Mais tu kennes Cyril. Non, mais oh. Alors là, c'est la famille. Même le dernier jour, j'accepte pas. C'est vrai ? Ah, non, j'ai le dernier jour quand même. Vous acceptez avec la famille ? Juste peut me passer dessus, ça dérange personne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun lien de filiation fraternelle avec Gilles. Lui, c'est mon frère. Mais bien, vous êtes frère et soeur, ça sort d'où ça ? Il y a un passeport de famille ? Il y a quelque chose ? Les liens du sang et les liens du cœur parfois sont très similaires. On pourrait pas. Ça te dépasse. Même mon zizi dirait non. Non. Ah, mais je vous le dis. Bah, il faut lui parler. Non, mais je vous dis que c'est vrai. Non, mais pas. Et vous feriez quoi, vous ? Alors, moi, je m'adresserais au plus généreux d'entre nous, celui qui dit toujours oui pour les causes désespérées. Vous avez tous deviné. Cyril ! Cyril ! Cyril ! Cyril ! Des maisons, t'as offert des voitures, t'as donné du bonheur aux gens, vous avez dit oui aux enfants gilets malades, à tout le monde, des gilets jaunes, des trottinettes tous les soirs, des iPhones au public, t'as laissé en galère ? Non, impossible. Et t'offres pas, ta tub. Il faut pas m'en galère. Alors, je veux dire la vérité, ma tub dirait non. Cyril, vous savez, c'est pas votre sœur. Et deux, vous êtes généreux. J'adore Daniel. Et sachez qu'elle me plaît énormément. Voilà, bah lâchez-vous alors. Mais. C'est la dernière fois, Cyril, c'est le dernier moment. Mais. Malheureusement, même si c'est votre dernier jour, vous savez que je suis très très à cheval sur les gestes barrières. Je mettre un masque partout. Ça passera. Bah si, c'est obligé. Non, c'est vrai. Non. Une mendiante du sexe. Ça te tend la main. Ah, oui. Te tend la main. Non mais. Écoutez, je vais vous dire. Daniel, j'aurais aimé te dire oui. Malheureusement, la direction de C8 refuse. Quel rapport ? Dernier jour. Je vais devoir un SMS. D'accord. Et pour quelle raison ? Il refuse. Je vais te dire la raison pour laquelle. Ouais. Il ne veut pas que ça fornique entre personnes de même émission. Ah oui. Vous êtes tous virés. Non, mais Daniel, qu'est-ce que tu voudrais faire ce dernier jour ? Elle l'a dit. Oui, quand même. Enfin, alors après, je pensais que vous seriez prêt pour une cause désespérée. C'est pour faire quoi ? Maintenant, moi, je savais. C'est pour faire quoi ? Ce serait pour me ressouvenir un petit peu. Cyril, en tant que vous, amoureux de l'amour, c'est vraiment très intéressant. Un beau voyage. Avec des images merveilleuses. Alors, Daniel, qu'est-ce que. Je veux savoir ce qu'elle veut. Une visite privée de son corps. Elle veut être aux zizi. Un petit coup avant de partir. Petit coup, il fait pas. Il fait gros, mais pas. Je sens pas bien. C'est vous. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Un petit coup. Un petit coup avant de partir. Un petit coup à boire. D'abord, oui. Puis on peut boire. C'est quoi ? C'est juste un doigt ou je sais pas. Un doigt, vous êtes d'accord ? C'est un doigt de whisky. Je ne bois pas. Ah ouais, et je l'appelle l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Regardez ce que ça donne. L'abus de tub, c'est dangereux ou pas ? Je pose des questions. Mais vous êtes devenu complètement fou. Non, mais ça fait de la peine avec personne autour de la table. C'est horrible, comme dès que ça te concerne, tu le vois. C'est incroyable. Vous refusez une dernière demande qui est mourante. Vous êtes en train d'agoniser. Parce que là, je ne me sens pas bien tel que je veux. Et ce qui m'arrête, ça risquerait de la sauver. Imaginons, scénario. C'est incroyable. Elle est à l'Arctique de la mort. La seule personne qui peut la sauver, c'est vous en lui faisant l'amour. Vous êtes obligé d'y aller. Moi, ça ne me dérange pas, elle a fait, ça y est. Elle a fait sa vie. Mais est-ce qu'il faut vraiment sauver les gens ? Un moment,
on tape à votre porte et qu'on te dit c'est le moment, faut partir. Oui. Non mais c'est vrai, Charles Aznavour l'a dit, il faut savoir quitter la table quand le meilleur est desservi. Voilà, je vous le dis. Non mais et je te le dis, franchement. Mais c'est ça où vous mourrez. C'est moi qui vous sauve, par exemple. C'est votre jeu. Alors franchement, c'est quoi alors? C'est un autre jeu, c'est bien. C'est moi qui vous sauve. Ah ouais, oui, vous mourrez. Je vous sauve par un baiser, par, vous voyez, comme dans les contes de fées. Quoi, un baiser, il y a juste un petit bisou. Non. Le problème, c'est quand on met le doigt dans l'engrenage. Vous savez, on ne sait jamais. Là, je vous le confirme, c'est un engrenage. Je vous le confirme. Alors, alors, oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, parce que j'ai au début, moi, on ne veut pas, puis après, des fois, on s'attache. Alors, par amitié pour vous, je vous le dis. Et que ce qu'on est amis depuis de nombreuses années, je pense qu'il vaut mieux que je meure et que je ne saute pas le pas. Oh. Non, mais vraiment, parce qu'après, ça risque, et je le dis, ça risque de flinguer notre amitié. Mais non. Je ne veux pas perdre cette amitié avec Daniel. Dernier jour, ça risque de flinguer notre amitié. Oui, pour les dernières heures qu'elle a vives, j'ai envie qu'on soit quand même encore amis et qu'elle ait ce souvenir dans la tête quand elle sera là-haut. Non, mais sans rigoler. Et vous, votre dernier jour, il vous reste un jour à vivre. Qu'est-ce que vous faites avec tout le barnum? Alors, un dernier jour, je vous dis ce que je fais. Je donne tout ce que j'ai et à vous. Oh, merci. C'est sorti du cœur. Je prends un papier, un stylo. Je note exactement le montant que j'ai. Ouais. Voilà, et je le divise par 9. Ouais. C'est un parchemin. Et je donnerai à part égale tout ce qu'il me reste. Oh là là. Mon tien va se bouffer les couilles de patin. Là, il y a pas de vous. Vous rendez compte de ce que vous voulez? Mais sans rigoler. Voilà. Je trouve que vous avez mauvaise mine, je sais pas. Quoi? Je trouve que vous avez mauvaise mine, je sais pas. En train de te brancher, c'est peut-être à cause de la proposition que tu m'as faite il y a deux minutes. Pousse-toi les bonnes questions. Et donc, vous faites l'amour avec personne, vous? Ah ouais? Ouais. Alors, vous n'êtes pas là, donc vous êtes que dans le générosité. Non, mais c'est pas ce que je pense. Non, générosité. Mais attendez. Mais votre corps, il reste, il n'a pas besoin d'exulter. Alors, je vais vous dire, non, franchement, je préfère vraiment, j'ai envie voilà, de que vous soyez vous heureux et que vous pensiez à moi. C'est beau. C'est beau, hein. Voilà, et que vous profitiez. Ça vous fait pas plaisir? Si. Franchement. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas vraiment. C'est beau, mais c'est faux, en fait. C'est beau, mais c'est faux. Ça sent pas vraiment le truc véridique. Ah oui? Non, c'est bien. Moi, de l'argent plus un petit BDC, je suis heureux. Hein. C'est pas un BDC, un petit bouffage de cul. Moi, j'apprends plein de mots, là. Ça va, vous, sinon? Oh là là!